Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. L'impression pas changé. Moi, toujours été quoi que qui aime dans le prenant. Poison rat. Comme moi t'ai toujours dit nous, bonne connaissance yo qui fait affaire yo, yo a essayé mettre sous dos client non, mais le méchant fait toujours une œuvre qui le perd. Bah la virer contre yo quand même yo mettre sous ta tonne, bah la virer contre yo. Eh bien nous pas menti, nous pas nan bluff, yo a m'te dit non. Donc ils ont dégagé, ils ont joué l'autre monde qui était ensemble avec eux, les Badjo et Kou. Parce que Badjo a dit, je vais mettre mes souliers là, la chante est encore plus vite. Guinec même si on a dit, je vais mettre mes souliers, Badjo a dit non. Ça là, j'ai vu mon souffle là. Et je cherche à un, j'ai dit, une petite lumière avec une petite batterie, tout petit. Mais ça l'a été dedans. C'est pas n'importe quel laboratoire, je ne vais pas dire l'enfer. Mais je ne vais pas dire n'importe quel chez les Tigandas. Au pile détail, je la joindre. Parce que, comprenez bien, ces clients qui font barrer les nègres, ils font comment ça arrêter les nègres. Comment vous le donnez nos bagages avec eux, ils ont fini pour les arrêter encore. Hein? Ils ont dit qu'ils ont des balcons pour les séparer, bail, agent, capsule, président. Les clients n'ont pas de contact avec l'agent. Son rôle administratif qu'elle gagne. Ni agent de tout, pas de droit à aller dans le bureau coordonnateur. Donc, même côté, le président essaie de l'appel le président du jeune, le président du lien danger, il fait tout ça pour te faire. Et le juge n'a pas vérifié tout le monde. Il est arrivé Dimitri, il est arrivé Amazon, il est arrivé Léon, il est Becker, il est arrivé tout le monde bas en haut, bas en bas. Il arrivait sous les lieux, c'est la salle à apprendre que le président mourut. Donc, je ne vais pas bien. C'est ça, soutenir un complot comme ça, ou comme ça que tu es dans la tête tout le monde. Est-ce que je vais faire ça vite? Qui m'a pas capable? Donc, nous-mêmes, nous disons clairement, juge là, pour moi-même, pas aucune inquiétude, ni de pas aucun doute peut-être que le client n'a pas impliqué, ni de près, ni de loin, et même de très très loin. Pour qui je pensais que juge la finale avec, je pensais ça. Je suis en bas de requête. On m'a levé du mandat de dépôt. Je suis en bas de l'autre requête encore, soit fait bas du roi. Je ne parle pas avec nous. Ok? Et puis je suis en bas de l'autre requête encore, je suis en bas de l'autre. Parce que je suis en bas de l'autre travail. Je suis en bas. Maître Georges, il était au chevet du président Mouden. Il est principal conseiller pour les gens. Encore la vie, il y a tout mouvement journal dans le pays. Ok? Laisse-moi parler, oui. Oh, il y a tout mouvement journal pour les gens. Oh, c'est un avocat qui réussit. Mais pourquoi il y a un avocat pour qu'on ait M. Georges, tout le monde là. Où est l'éthique professionnelle? Quelle est l'éthique professionnelle là où on enseigne à l'école de droit? Quelle est l'éthique? Oh, il ne faut pas mettre l'éthique professionnelle et la politique et le droit. Quelle est carrément où tu es conseiller pour les gens? Où tu es. Mais on avec lui même, mais oui, nous faisons problème. Coucou qu'on est là pour être devenu accusé. Non. Vous n'êtes pas vous regardez, vous n'êtes pas éthique professionnelle. Vous pas supposé à défendre les gens accusés dans ce sens-là. Non. Vous avez travaillé pour lui. Deuxièmement, vous êtes accusé policier. Non. Vous allez rester. Vous êtes accusé policier. Vous êtes accusé policier pour le journal. On va parler contre le journal. On va défendre l'assassin. Troisièmement, vous avez dit. En parlant de commissaire Belfort, Montez-vous.
côté nous gagner pour nous réhabiliter tronçon avenue N qui compris entre rue 2 et Chili ou Sico actuellement là nous dans tronçon pour compris entre rue 2 et avenue de Chili côté nous vient faire toute fouille pour nous faire d'allô qui dans zone là pour même tout ce travail qui était pin nuisible là nous censé faire la fouille là et nous te gon carien qui enragé grâce à Dieu avec Mato Pika nous fin faire fouille là. On a ces mises en œuvre d'allô en affaire là. Et dans 3-4 semaines, on a fini à partir d'allô ça. Et en même temps, tout, du même coup, nous abordons des fouilles. On a commencé à faire démolition pour faire fouilles pour l'autre partie d'allô qui est située entre Campeche et Rissico. Ce que vous avez gardé tout à l'heure là. Et après, nous avons fait travail ça pour nous continuer à faire caniveau trottoir ensuite. Nous faisons chaussée en béton hydraulique. On route 6 mètres en moyenne. Avec un côté pas grand largeur suffisant. Souffle en bord et puis pour matériel t'a passé en bord. Et au lieu de nous parler pour nous finir un travail et puis pour matériel a passé sur les temps en temps pour la craser, nous disons qu'on finit faire gros air ça. Et puis l'un qu'on espace pour nous mettre béton chaussée en faire béton pour chaussée. Sinon nous avons commencé béton chaussée dans une bonne partie déjà. D'allô, ça a regardé là, il vient pour arriver dans l'intersection avec Chili. Ensuite, on a quitté l'espace qui vient béton déjà pour un tronçon qui compris entre Campeche et Sico. Il y a un peu de problème, mais nous commençons à avoir un problème là. Nous avons des matériels pour ça, nous avons des gens pour ça, et nous avons des compétences et nous avons réalisé quand même. Puis quand il est maintenant pour nous résoudre déjà, c'était carrément avec des problèmes. Okay. Grâce à Dieu, nous venons en Mato Pika, nous bagali. Et nous venons partir sur ce jour-là, là, qui c'est parti final, qui vient dans Sikoa, qui est dans 20 000 dans le premier. Et il est nous car bien, c'est un espace qui est un petit genre français. Et qui fait nous pas qu'à faire, c'est différents travaux, nous pas qu'à faire à la fois. C'est une chose qui nous fait avant l'autre, c'est le dilemme ça. Mais grâce à Dieu, nous avons monté quand même. Dans quelques 2 à 3 mois, nous avons avancé très fort avec nous, pas dire qu'on a fini. Nous avons l'autre contrainte de bien mentionner. Jusqu'à présent, nous avons un ensemble de matériels clés qui dans le Grand Sud. Jusqu'à présent, nous avons récupéré le matériel ça. Nous avons 5 camions. Qui est en santé. Babi, ça arrive dans mon nuit, c'est un camion en santé qui arrive là dans le monde. Nous avons 5 camions en santé qui sont dans le Grand Sud. Nous avons l'odeur. Et puis nous avons une excavatrice. Et un matériel, ça aussi. Nous avons avec nous, nous devons aller plus rapide. Mais c'est pour de bonnes causes d'ailleurs. Nous avons obligé de souffrir tant que nous avons. Ensemble, travail pour porter solidarité avec la population affectée dans le tremblement de terre 14 d'août là, a continué à croire timidement dans le département Grand Sud pays. Une solidarité qui prend plusieurs formes suivant différents besoins zones touchées, qui donc est écrasée avec des blés cailles endommagées à coûte qui bloquée pour permettre la circulation. C'est parmi besoins, ça y est, qui venait avant projet de reconstruction, qui permettre la vie commencer à reprendre dans un espace après une catastrophe d'un coup tremblement de terre. C'est dans ce sens ça, une collaboration en direction départementale Sud MTPTC, direction départementale Grandance, à compagnie construction taïwanais OECC, faite pour redécraser avec un déblayé caille, route qui endommagé pour un emplacement bâtiment libre à route accessible normalement. Depuis une semaine, chantier démolition avec déblayage OECC MTPTC opérationnel dans la commune Akin, Saint-Louis du Sud à commune Beaumont, qui respectivement dans le département sud à Grandance. Priorité, c'est rentrer dans la section communale d'abord et puis craser avec déblayer l'école, l'église et le bâtiment qui possiblement à cause gravité dommage qui a causé le dégât. Avec nous, il y a une délégation compagnie OECCA, il y a un représentant dans la zone LAN qui a aidé nous prendre connaissance de travail. Allez, l'autre côté, ça a fini du blayage. Ça, l'autre côté, levé, rambou. Ah oui, il y a ton petit reste là. Il y a ton petit reste qui prend pile dans l'école là. Bah, allez, vraiment. Allez. Là, nous dans commune Akin, dans la deuxième section Vieux Bouc d'Akin, il fait 1h17 minutes dans l'après-midi. Je n'ai vendredi 3 septembre 2021.
Tadi Brissa, Ceres Kaimadan Daniel, qui était sous deux étages, qui vide plate à terre sous trois timoun. Grand merci bon Dieu, pas gen l'amour, même si gen yon timoun yo qui t'a gravement blessé. Madame Daniel a expliqué. Ça va rapidement, parce que vraiment, soit des gens ont perdu. Et on va récupérer, parce que vous comprenez, mon Dieu, vie est plus importante, nous avons vie, comprendre, mais c'est quand même, nous avons besoin de côté pour nous loger. Nous avons un monde qui victime, il n'y a pas mourir, il fait casser un timoun de trois ans. Gen possibilité pour joindre support technicien yo pour craser avec déblier kay lian, c'est on aide li apprécie en pile. Madame Daniel pas caché reconnaissance li. Premièrement nous dit bon Dieu merci, après nous dit merci pour aide yo, parce que vraiment sans yo men nous pas ka faire rien, pas ka déblier pour nous comprendre. Ba konnen ki ça encore yo ka faire pour nous encore. Nous quitter vieux bourg, n'a pas aller Jonk Dondin, passer par débat. L'école christianiste débat getan fin craser et puis déblier. C'est un espace qui est disponible. Zone ça nous dans 5e section Maracouaf et localité Débat. Espace ça c'est l'église christianiste de Débat et puis là c'est l'école christianiste et l'école institution qui était là et qui était endommagée par rapport à tremblement de terre là. Et côté il était penché, il pas tombé net. Poteau coupé et puis il était sous poteau qui était risqué écraser tous les décailles là. C'est même constat nous fait arriver Jonk Dondin. Son emplacement collège Maranatha de Jonk Dondin, qui c'est un établissement l'église baptiste Maranatha a dirigé. Pasteur Renel François apprécié Bouradlan pendant le profiter à l'issel à l'autorité dans l'état. C'est un moment qui était terrible pour nous. Terrible pour nous. Là, nous regardons nos grands établissements scolaires qui gagne trois étages. Nous avons plusieurs bureaux là-dedans. Quand on recevoir 6 centimes pour en quelques secondes, minutes, et tomber, on va te sentir bien jusqu'ici, nous traumatisés. Pour nous, c'était une grâce parce que building, sa terre était en danger. Ben, nous, elle était en danger, nous avons même commencé avec masse, mais nous n'avons pas arrivé. Nous n'avons pas arrivé. Les appareils qui étaient venus là, c'est une délivrance qui était faite pour nous. Dans quelques temps, ils ont été mettre la tête, nous disons, organisation, merci, qui te permettent que tu es capable de jouer des concerts avec moi, Maïstra Rachel. Ils te mené là à venir travailler pour nous. Et il fait bon travail. Nous quittons la commune Akin pour aller Saint-Louis du Sud, dans la deuxième section, Bête du Mel. Là, contrairement à travail démolition, Kai, c'est environ 6 km route qui est débloquée et puis compactée avec appareil au SCCO pour permettre accès pour circuler sorti Saint-Louis du Sud, rivé en dans section 1 qui laisse admirer tout potentiel touristique qui a exploité dans toute zone là. Jean-Yves d'Haïti, c'est Kazek section 1. Deuxième section, c'est une section qui est enclavée. Surtout après le tremblement de terre 14 là, nous avons un pile glissement terrain dans la zone ça. Il y a un pile passage qui était bloqué. La population n'est pas capable de passer pour évacuer l'activité. Donc, dans ce sens-là, il y a un organisme qui était fait en demande pour voir dans quelle mesure tu es capable de voir le matériel sur deuxième Bête du Mel avec 5e sucrerie Henri. Et côté que 5e sucrerie Henri, c'est une section communale qui puisse frapper dans la commune, comme pas dit dans le département, après Masseline sur Campiré. Il y a une équipe matérielle qui était sur sucrerie pour faire travail de blément et que nous-mêmes nous sommes venus pour nous lever Rambler qui déboulonne la terre qui était barré route que nous avons dans la section Panoua. C'est dans ce sens nous OSCC. Qui choisit des départements vu à ampleur des dégâts qu'il y a eu de constater et voyez matériel ça pour nous qui vraiment utile nous parce que terre antigen pouf là au passé là au compacté les antigen faciliter accès yo c'est tout motocyclette yo et puis l'autre monde capi capable circuler normalement dans section communale là. Initiative ça qui t'emmène entre compagnie OSCC et MTPTC montrer toute importance travail. Toutefois, tant était plus gros obstacle qui empêchait une meilleure réussite initiative là dans la commune Akin à Saint-Louis du Sud. Par contre, qui arrangement, instance on va faire, mais OSCC lui-même il est là avec nous pour 10 jours d'après ça qui m'a appris dans la section. Donc nous commandons selon disponibilité, s'il te plaît, continuer avec nous pour l'autre 10 jours encore parce que travail en pile. Travail va continuer. Là, nous dans la commune Beaumont. Journée samedi 4 septembre. C'est un jour marché.
Malgré la pluie semblait après prendre normalement dans la commune Beaumont, après passage dévastateur tremblement d'été 14 d'août l'an dans le grand sud pays, toutefois, ensemble dégâts qui enregistrés selon bilan magistrat dans la commune l'an qui trouvait sous corail, département Grand'Anse rivait montrer perte considérable. Yon bilan qui fait état d'un bon dégâts matériel important qui laissait nous comprendre, visage allait mieux commune l'an, bay nan jou machi ça, c'est une simple apparence. Situation li vraiment dit, vraiment terrible. Après passage tremblement de terre, nous avons enregistré 46 morts. Nous avons 7 personnes qui disparaissent net, côté éboulement, terre cassée tombée sous yo. Nous pas joué un cadavre ça yo même pour nous enterrer. Il y a un gros problème dans la tête de la source de l'eau pour nous boire de l'eau qui est dans le monde. Ensuite, la commune qui était déjà enclavée par une pile sous l'eau sous le bon côté de nous, nous avons seulement une grande rivière Grand'Anse qui coupe le monde, qui jambé en deux, qui descend. Là, quand il y a là, il frappé, eh bien, sous ce qui était prêt, il a séché, mort de boulement comblé, il n'y a pas même de l'eau pour nous boire. Il y a un caillou qui était en pile citaine qui était capter de l'eau là pour y mettre là dedans pour utiliser si tel ça est tout fondé ça vient rendre un gros problème de l'eau en dedans communauté. Sur plan économique, madame ça c'est une parmi plusieurs l'autre tremblement de terre mette chita plate à terre sous d'elle l'idée capitaliser complètement. Madame Lan a expliqué comment ça t'est passé. L'irrité quoi c'est lui même tremblement de terre fait plus ton en boumon. Tout ça ne dégaine écrasé net dans le tremblement de terre, dégaine défrisé delco et motocyclette pas m'kon mené ti moun yo l'école tout bagay mais di nous sorti seulement à souffle nous sorti tout fortune nous pendant kayla parce que businessman nous bon c'est bien c'est toro ba ça nous pas ka recevoir nous pas ka jwenn rien même dès le motocyclette moi tout doum clairin parce que m'te grand pile business pour bon moun là moi plus victime. Si il y a un fort cap fait pour côté direction départementale MDPTC dans Grand'Anse qui la tête collée à compagnie construction taïwanais OECCA pour aider craser avec déblayer quelque espace au moins pour réduire éventuels dégâts qui endommagé au café en plus ou bien pour un espace bâtiment yo libre pour reconstruction l'irrité en urgence pour présence autorité remarquable dans zone Beaumont pour répondre à différents besoins aussi tout dans section communale Cassanette Chardonnette et Mouline en la commune là qui gravement endommagé mais qui pas aussi accessible que ville Beaumont. En tout cas n'a rappelé dans quatre différents travaux pour démolir et déblayer caille route qui bloquée sous initiative ministère travaux publics qui joint support compagnie construction taïwanais OECCA nous qu'arrivé compter passer 20 bâtiments qui démolis avec environ 6 km route qui accessible la circulation pendant 8 jours seulement dans la commune Akin, Saint-Louis du Sud et dans la commune Beaumont. Rete yon l'autre semaine encore avant collaboration en fini. Cependant, ensemble l'autre difficulté population a connait yo rete pas changé. Problème logement, l'eau, matériel sanitaire rete ensemble besoin pour autorité yo prendre responsabilité yo pour répondre à yo pressé. Surtout ak période escolaire qui pral rive dans un petit temps qui pas trop loin. L'Assemblée constate que 2 mois après assassinat 58e président République là acteurs politiques n'ont pas arrivé en temps pour jouer une formule pour prendre destin pays. Alors que le peuple est livré pour compte lui face à la misère et l'insécurité. Nous parlons d'autorité qui l'a montré volonté et capacité pour améliorer les conditions économiques et sociales du pays. L'Assemblée constate que tout indice macroéconomique est en rouge. CSPN n'a pas montré qu'il y a la hauteur pour porter réponse à l'exacte insécurité. Nous constatons avec un pile tristesse que les gens qui sont dans le quartier populaire et les gens qui sont en pile l'autre zone dans la capitale continuent à victimes de kidnapping et de maspinaille, bandits et exam, qui sont celles qui ont chanté dans la basse-cour. Le pays a continué à enfoncer plus dans tout. Pendant les femmes qui sont dans la classe politique, dans la société civile, qui sont supposé jouer un rôle organe de pression à Goumé pour séparer les classes ressources que le pays a arrêté. Yo tout a bataille pour intérêt pa yo. Pendant yo mette de côté vrai problème petit pays yon kap empiré chaque jour. L'Assemblée constate que le gouvernement en place là, pa pran aucun mesi pour accompagner parents ak élèves yo pour entrer l'école là, surtout si la yo ki nan rentré grand site là. L'Assemblée rete attaché à conviction li. L'Assemblée a continué mandé yon dialogue sincère en tout petit pays ya.
ni ça qui en dehors yo tant pour ça qui en ville yo yo tout gain place yo pour un accord politique global qui prend en compte reconstruction trois chantiers nation qui c'est chantier politique chantier économique et chantier social pour permettre pays à prendre chemin développement et stabilité politique tout accord qui pas gain rien pour avec ensemble revendication jeunesse là diaspora moun en dehors yo ça nous les gros hôtels yo ak moun ka viv an dan kache populè yo, se yon akor makoko. Se sel yon vrai akor ki kapab permet nou pase men nan konsey elektoral la. Kote tout parti politik yo, ap santi yo alèz pou yo ale nan eleksyon epi renouvle personnel politik yo. Rassemble ap mande pep ayisyen, an nou pren destin peyi nou an men. Rassemble se yon parti politik ki kwen nan chita pale ak tout moun. Men, nap tout profite pou anonsi ak tout partisan, se partisan nou yo, qui dans quatre coins pays que nous pas fait partie de aucune alliance ni plateforme politique. Rassemblée a profité de ces consensus pour continuer à demander justice pour le président Jovenel Moïse. Pour nous finir, Rassemblée a dit que yon seul doit pas manger kalalou. Seul yon tête à tête pour un dialogue sincère qui capable retirer nous dans sa nouye là. Vive Haïti pour tout petit pays, vive Rassemblée. Nous-mêmes, 205 organisations base société civile là, nous réaliser si nous continuons à faire silence dans Jean pays ça va aller là, nous tout a effondré. C'est ça que fait, nous décider présenter proposition ça pour nous qui Jean pays ça qui arrivé sorti dans Salmanaza ça. Depuis après assassinat président Jovenel Moïse, dans sens ça, gros conseil exécutif national mouvement fraternité pour Haïti ak nan diaspora mandé premier ministre Ariel Henry pour lui prendre toute disposition sous enquête sur assassinat président Jovenel Moïse abouti dans objectif pour mettre en bas code tout auteur intellectuel auteur matériel et tout complice qui fait crime contre nation. Mofa mandé PM Ariel Henry pour lui prendre en compte situation économique sociale pays parce que maman et papa petit pas ka voyer petit li l'école. Mofa mandé PM Ariel Henry pour lui mettre campé un plan reconstruction pour région Grand Sud là qui dévasté après tremblement de terre 14 d'août passé. Mofa constaté deux mois après assassinat président Jovenel Moïse, situation pays a vinn pi mal. Insécurité a blayi sous tout pays a. Bataille pour prendre contrôle pouvoir sans aller dans élection, diviser société a pire. Nous même dans masse populaire nous perdons l'espoir. C'est peut-être ça. Mofa mandé pressé yon accord politique global pour résoudre crise politique ça qui déjà poté aller dans pays sans chapeau en pile petit peuple là. Les nous considérer arrêté présidentiel dans date 5 juillet 2021 qui bail PM Ariel Henry provision pour le conduire bat pays jusqu'à ce que li fait bon gens élection pour mettre en place autorité qui gagne légitimité pour adresser problème population. Dans optique ça, mon famant de PM Ariel Henry pour craser conseil électoral pépé qui là et monter un conseil électoral tout neuf pour organiser élection en dedans pays sans perdre du temps. Mettez campé un gouvernement union nationale, acteur qui gagne sensibilité populaire qui capable embrasser revendication massive. Mon famant de PM Ariel Henry fait tout ça possible pour renforcer le système judiciaire. Mofa exige PM Ariel Henry pour faire tout malheureux yo joindre transfert yo en dollars américains même gens à gros zouzoum yo. Mofa a demandé pour PM Ariel Henry faire tout ça possible pour aider tout parent sans distinction dans rentrer l'école là spécialement parents qui pas capable yo tant coup parents qui sont subi catastrophe 14 d'août là dans zone grand sud là. Parents dans tout quartier populaire yo sous tout 6 département pays a. Pour finir, Mofa mandé pour tout parti politique ak allié yo bay pays a yon chance parce que nan bataille ça tout parti politique pap ka rive gen pouvoir mais ensemble avec compréhension chaque parti politique yo n'a rive mete pays a sou ray de bout. Dian c'est un plaisir pour nous capable présenter tout le monde. Ça nous relève le rapport d'étape que le système national de gestion risque à désastre a présenté dans le cadre de gestion réponse à la catastrophe 14 août qui passait dernier et tempête tropicale et Grèce qui passait tout de suite après. Donc, je vous dis,
rapport d'étape ça, je nous aimé préciser d'abord pour tout le monde, que rapport d'étape là, c'est un rapport côté que nous avons expliqué que pour Kounia là, nous finissons avec la première phase de réponse d'urgence, qui c'est phase recherche avec sauvetage, donc première réponse là. Et là, Kounia, nous passons en période, ça nous une période intermédiaire, une période entre deux actions. Action que nous avons fait, qui était la première action de secours là, et action qui pourrait faire prochaine action, qui pourrait action de relèvement et de reconstruction. Donc là, pour le moment, nous avons mis en deux phases à et la protection civile a présenté bilan, et non seulement bilan et catastrophe là, mais bilan tout action que nous menons et tout ça que nous faisons. C'est ici que nous connaissons le dernier chiffre, et chiffre qui est final, c'est que nous avons, ça c'est malheureusement 2248 personnes qui mourent. Nous avons 12 763 personnes qui blessés, 329 personnes qui jusqu'à présent portées disparues. Okay? Dans trois départements affectés, mais quand même pour nous signaler que dans le département nord-ouest, il y a deux personnes qui mourent bassin bleu. Nous faut nous dire que la catastrophe a impacté directement 690 000 personnes, ce qui représente à peu près 40% de la population Grand-Est, NIP avec Sud ensemble. Et dans trois départements, que nous avons parlé là, nous avons 83 000 cailles qui endommagées, okay? Et nous avons 53 000 cailles qui détruites. C'est ça, malheureusement, arrivé avec pratiquement 5 ans après passage ouragan Mathieu, que nous avons changé en 2016, qui était fait un pile dégâts et pour lequel nous avons déjà travaillé en pile pour nous capables de corriger ou de récupérer et institutions avec et côté qui était impacté. Mais justement là, il y a là un pile dans le secteur qui a œuvré dans le département ça prend un pile dégâts. C'est dans ce sens que dans pile l'hôpital, centre santé, établissement l'école, okay, établissement l'école publique avec privé, nous avons des ponts, nous avons l'autre installation qui endommagée et qui prend frappe dans le cadre du tremblement de terre ça. Donc nous disons que immédiatement que le tremblement de terre a fini de passer et que nous avons confirmation de ça arrivé, le système national de gestion des désastres avec protection civile mettait campé. Et justement, nous déployer volontaires nous dans tous justement différents départements. Nous avons des volontaires qui sont dans l'autre département pour venir faire un fort. Et encore, je profite pour me capable de un gros coup de chapeau à tout le monde qui mettait main et qui fait travail colossal de accompagnement de population dans un moment difficile là. Il faut nous dire tout que en pile ça n'est les partenaires qui sont des institutions étrangères locales, mais aussi étrangères qui travaillent avec nous, tout est levé campé pour travailler ensemble avec nous pour déployer sous. Depuis ce séisme fin passé, nous avons plusieurs centaines de tonnes de produits alimentaires et de produits non alimentaires qui acheminent par voie routière, par la route, par la mer et par hélicoptère, justement dans la zone touchée. À date, à aujourd'hui, à 9 septembre, nous avons dit que nous avons à peu près une vingtaine de convois pour à peu près un total de 190 machines. Parmi là-dedans, nous avons 131 camions, okay, aussi avec citerne plus et aussi citerne fuel. Qui partit à partir de Kounan pour justement aller en appui à trois départements qui étaient affectés. Et on a dit qu'une quarantaine d'institutions qui travaillent ensemble avec nous utilisaient mes moyens. Ce n'est pas nous-mêmes seulement qui voulons aller. C'est tout le monde qui pouvait coller, mettre ensemble, venir chita dans Kounan, ouais qui s'est gagné et venir mettre vos sous-sous à disposition pour nous faire travailler ça. Donc j'ai dit tout à l'heure, une quarantaine d'institutions qui participaient avec nous au total. Pour faire opération ça, et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons dit que bien 70 000 familles qui recevront une assistance et par rapport à besoin d'aide urgent que nous avons. Donc là, pour le moment, besoin d'aide et d'assistance urgent qui est identifié et qui l'a toujours, c'est logement temporaire. Donc, et ici, bah, nous avons au moyen pour être capable de protéger tête de soleil avec le soleil et de la pluie. Ok, bah aux soins de santé, ok, et bien entendu en incluant tout, ça n'est les suivis post-opératoires, monde qui était blessé, qui était recevoir soins spécialisés à l'hôpital, donc faut être capable de bah aux suivis pour être capable de continuer et avancer. Bien entendu, de l'eau avec manger et ton nécessité, et justement, mais nous adresser de l'eau avec manger à une échelle quand même qui est assez importante. Donc là nous avons priorisé, ça n'est les besoins en termes de logement temporaire par rapport à la population qui est affectée. Nous insisté pour. Pas encourager et pas veler, ça n'est qu'un hébergement pour les gens déplacés internes. On passe pour ne pas commettre même erreur nous avons fait en 2018. Gagner des côtés que nous, ouais, c'est un cancer. L'idée à la qu'on est adresser de manière prioritaire pour nous permettre de retourner dans une situation pour nous retourner dans l'habitat naturel. En façon pour nous capables d'aider et assister par rapport à besoin direct que nous avons.
En même temps, nous avons, pendant la parlé de ça là tout, nous avons partenaires nationaux avec internationaux qui a continué et qui a mis vitesse dans l'action réponse que nous avons fait ensemble, particulièrement dans les zones qui sont difficiles d'accès, les zones qui sont enclavées. Donc là, il y a toute une stratégie qui a développé pour certaines zones qui pourquoi et joindre ça pour joindre. Ce n'est pas que vous ne parlez pas du tout, vous joignez, mais vous pouvez joindre assez ou bien vous pouvez joindre toute sa population en besoin, en façon pour justement nous capables de ranger comme vous ne baillez, parce que je rappelle tout le monde que ces zones cycloniques, il n'y a pas fini, il y a encore un coup, et il faut que nous, je dis, bien temps résoudre le problème de base, et pour nous préparer au cas où, si nous n'avons pas cas, l'autre situation du genre n'est pas représentée encore. Bien entendu, nous sommes capables de dire que ce qui est important, je vous le dis, c'est travail qui fait là, qui abat déjà, grand pile travail qui était pour faire, grand pile bagaille que nous avons continué à avancer avec partenaires, avec système national là. Donc nous allons continuer travail spécifiquement dans l'affaire opération réponse humanitaire. Ça veut dire que ça veut dire que là pour le moment, même lorsque nous parlons de rapport d'étape, nous parlons de fin de recherche et sauvetage, opération et action humanitaire, yo pas fini. Nous allons continuer bataille et faire tout ça capable pour nous continuer à cheminer bien que nous gagnions pour assistance population et organiser nous pour que la distribution continue à faire selon le protocole qui est établi et selon les moyens que nous-mêmes nous connaissons, que nous connaissons, que nous avons habitué pour nous capables de gagner une certaine efficacité. La question appui avec support, il faut nous dire que nous avons beaucoup de chapeaux spécifiquement par rapport à la solidarité entre Haïtiens que nous constatons pendant des assas. Il y a plusieurs, et je ne peux pas dire qu'il frappe, nous avons dit ça dans le nom de tout le système national de gestion qui a dit ça. Son coup de chapeau par rapport à la solidarité inter-haïtienne. Il y a un département, il y a des zones, par exemple, après Koto, Ozo, Ochabato, qui ont même levé, ils ont pris un bateau, ils ont pris vivre avec provision, ils ont mené par les zones qui peuvent affecter, comme il y a limite. Et ça, c'est un geste qui, pour moi-même, c'est un geste qui est plus extraordinaire dans le moment de crise, côté que Haïtiens ont supporté frère par les Haïtiens. Pour nous saluer tout en gros collaboration que nous recevons de AGRK, qui c'est justement l'institution qui a géré relation nous-mêmes, protection civile avec secteur et société civile et secteur privé. Pour nous saluer tout avec un gros coup de chapeau, support que société civile et secteur privé a pas manqué par nous, toutes grandes entreprises ont manifesté tête, ils ont tout protocolé, ils ont appui direct par la protection civile, ils ont appui direct pour réponse à séisme. Et encore, je nous dis, n'a dit tout un gros merci. Protection civile lui-même directement à date recevoir 3 millions de gouttes pour capable de faire fonctionnement cette opération d'urgence nationale là et cette opération d'urgence départementale pendant phase d'urgence. Et nous continuons à travailler avec justement toutes les instances à eux, en façon qu'on est capable de suivre l'appui que nous avons pour nous bali. Je salue particulièrement le Premier ministre, Ariel Henry, qui s'est donné à fond dès les premières minutes de ce désastre. On était en conversation. Il a convoqué le gouvernement pour mobiliser le centre d'opération d'urgence nationale. Je salue particulièrement aussi le ministre des Affaires étrangères qui était sur place lors du tremblement de terre et qui quand même a su mobiliser nos amis de l'international pour coordonner une partie de ce qui devait nous arriver comme aide et support. Le ministre de la TPTC a été extraordinaire. Grâce à une collaboration entre son ministère et mon ministère, il avait déjà mobilisé depuis la veille des équipes pour travailler sur le tronçon portant de Ogan Martissan Fontamara. Il devait travailler ce samedi matin quand on a eu le tremblement de terre. L'équipe s'est redéployée pour descendre dans le sud et assister nos frères en difficulté sur le terrain. Ils étaient accompagnés d'une trentaine, quarantaine de personnes, de troupes des forces armées d'Haïti, et ils ont fait un travail extraordinaire qui a permis de sauver près de 200 personnes dans le sud et une centaine de personnes dans les deux autres départements. Je salue aussi l'engagement de tous les réseaux volontaires, notamment les sapeurs-pompiers, les scouts, les volontaires de la Croix-Rouge et ceux que je connais le mieux en raison de mon rôle au niveau du système national de gestion de risques et des désastres en tant que ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, réseau des volontaires de la protection civile. Vous les avez vus en action, malgré les moyens limités dont ils disposent, les brigadiers et brigadiers déployés sur le terrain de la catastrophe, les membres des comités départementaux, communaux et locaux qui se sont arrangés pour activer leur centre d'opération d'urgence, même en plein air.
Le nombre d'interventions qu'ils ont menées et les rapports qui nous sont parvenus montrent combien le système national a grandi du point de vue opérationnel. Nous n'allons pas comparer trop facilement ce tremblement de terre à celui du 12 janvier 2010, loin de là. Mais les premières observations ont mis en avant un certain nombre de progrès, mais aussi des chantiers à renforcer de la construction d'une société plus résiliente. Au nom du gouvernement, mobilisé depuis la confirmation des premiers dégâts causés par ce séisme, je tiens aussi à remercier la communauté internationale restée debout à nos côtés. Toute cette aide, qu'elle soit multilatérale ou bilatérale, nous a permis et nous permet encore d'assister les communautés affectées, de répondre à leurs besoins humanitaires de base. Nous allons maintenant mettre des bouchées d'eau pour le rétablissement au niveau des zones touchées. J'ai depuis mon investiture comme titulaire du MAV entrepris plusieurs efforts de collaboration avec diverses organisations et associations de la diaspora. Au MAV, il existe une pratique de travail avec ces organisations que je veux formaliser et institutionnaliser. C'est pourquoi quelques-unes d'entre elles ont été désignées sur la base de leur sérieux et leur représentativité dans la diaspora pour signer avec le MAV un accord cadre de partenariat. Il s'agit pour le ministère de stabiliser ses relations avec ces organisations et de leur donner la légitimité pour agir dans la diaspora, chacune dans son domaine d'intervention. La Fédération haïtienne de la diaspora a été la première à avoir signé un accord de coopération avec le MAV en août 2020. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir la Haitian Diaspora Resources Worldwide, avec qui nous allons signer un nouvel accord cadre de partenariat. Elle est représentée par Mme Marina Go, présidente et cofondatrice de l'organisation, et Dr. Jessie Pierre, secrétaire général. Voici les grandes lignes de l'accord. Le MAV et la Haitian Diaspora Resources Worldwide conviennent d'étendre leurs contributions dans l'appui et l'accompagnement des organismes nationaux et internationaux dans l'accomplissement de leurs tâches relatives à l'intégration effective de la diaspora haïtienne dans toutes les sphères de la vie nationale. La promotion de la participation politique, incluant le droit de vote des Haïtiens de l'étranger et la double nationalité. Le renforcement de la protection et la défense des droits des ressortissants haïtiens et de leurs descendants. L'échange d'informations et de procédures permettant l'évolution des pratiques susceptibles de favoriser l'émergence de la diaspora haïtienne. Dans cette perspective, je voudrais vous annoncer que je me déplace la semaine prochaine pour rencontrer deux autres organisations très représentatives de la diaspora aux États-Unis, à savoir l'Association des élus haïtiano-américains et la Coalition des organisations de la diaspora haïtienne, avec lesquelles nous allons signer deux autres accords, cadres de partenariat à peu près dans les mêmes termes. C'est un plaisir pour moi de procéder à la signature ce matin de cet accord cadre de partenariat entre le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le MAV, et la Haitian Diaspora Resources Worldwide, HDRWW. Donc, dans le cadre de cet accord, nous allons jouer notre rôle de citoyens, de citoyennes engagées pour le pays, pour l'intégration de la diaspora. Nous aurons à jouer un rôle, comme a dit le ministre, dans les termes de l'accord, d'intermédiaire pour faciliter la diaspora dans ce qu'ils ont à faire de mieux pour le pays, les projets de développement, leur intégration, les faciliter beaucoup de choses. Donc c'est dans cet ordre d'idée. Depuis 18 mois, nous travaillons sur cette plateforme. Nous avons des réseaux à travers les États-Unis, certains pays d'Europe. Et c'est innovant parce que le bureau principal de cette plateforme se trouve en Haïti. Donc là, nous avons différents comités, santé, éducation, agriculture, sport, culture, communication. Donc nous pourrons offrir différents services à la diaspora à travers ces différents comités. Donc je remercie Madame la Ministre de cette opportunité et j'espère que nous aurons une très bonne collaboration pour le bien de notre pays. Nous connaissons l'émission, c'est une émission de grand pile écoute. Et nous voulons que nous connaissons, contrairement avec ça, nous voulons faire quoi? Mouvement ça que nous avons fait, son mouvement soit pour envoyer l'argent à nous, son mouvement soit parce que la police est venue faire une intervention dans la zone.
Et nous avons dénoncé l'intervention et partisane que la police a menée. Parce que depuis le président Jovenel Moïse est vivant, jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse mourit, groupe monde qui était là pour te détruire le caractère, te dit que c'est le président Jovenel Moïse qui a créé Genève. Tandis que jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse mourit et enterré, il n'a pas jamais protégé Genève, il n'a pas jamais fait rien pour Genève. Ça veut dire que ça n'a pas aucune relation, Jean Mouniotia, avec le président Jovenel Moïse. Mais cependant, et Negio, dans le souci pour te détruire Jovenel, pour te capter un pouvoir, pour te venir voler, Jean ou affaire là, pour te dire Jovenel Moïse qui a créé Genève. La police, toute la cette journée, a mené des opérations meurtrières, côté que Negio a tué grand monde, petit monde, femme. En d'un quartier populaire côté Genève, ou pas jamais dans des organisations droit moun parler, ou pas jamais dans des nèg dire juste parce que ou pas gain contrôle Genève, juste parce que Genève pas travail pour eux. N'a dénoncé ça. Mais vrai objectif mouvement jodi a, mouvement contre nous camper et c'est pas pour jodi a, nous pas pour qui l'est nous là parce que tout autant nous pas joindre satisfaction. Mouvement ça jodi a c'est qui s'allier. C'est départ premier ministre Ariel Henry, réseau fait la demande départ premier ministre Ariel Henry, le pur et simple. Ou pas qu'un assassin qui participait dans tout le président Jovenel Moïse, et puis je dis à vous, c'est vous-même qui premier ministre qui a dirigé. Laissez au cap diriger, ou qui contrôle CSPN, ou qui contrôle CSPJ, ça veut dire un montant pour le président Jovenel Moïse, qui a une vision pour le peuple haïtien. Un montant pour Jovenel Moïse, qui a calé le peuple haïtien, qui fait peuple à quoi, qui fait peuple à quoi, qui a 5% de monde, qui a 85% de richesse pays à nommer. C'est Jovenel Moïse qui fait nous, contrat Blackout Malachon qui te gagné. Allô? Yeah. C'est président Jovenel Moïse qui fait nous, contrat Malachon qui te gagné. C'est président Jovenel Moïse qui fait nous, combien de cobs nèg yo t'a plevé volé dans Ona? C'est président Jovenel Moïse qui fait nous, quand c'était gang qui gagne dans pays ça, moun que n'a prélé entrepreneur, moun que n'a prélé politicien, Jovenel Moïse calé sur peuple là fait nous comme bandit. Voilà que nous Ariel Henry cité comme moun qui participait et qui te parlé avec Badjo, youn nan moun que qui assassiné président Jovenel Moïse. Jodi a, ou pa ka juge, ou pa ka juge parti à la fois. Nous mandé départ après premier ministre Ariel Henry. M'a fini élaborer s'il vous plaît Pierre Maté, t'as tout bon fini élaborer après pour qu'on prenne question yo. OK. Kounyen ça nous dénoncer. Et ça c'est première revendication nous départ premier ministre Ariel Henry. L'autre ça nous a demandé, jodi a Dieu soit loué, il fait nous mal mais nous dit Dieu soit loué parce que peut-être faut que président Jovenel Moïse ta mouri pour le monde entier ta vérité a. Monsieur yo sous belle lettre qu'on dit c'est Bible qui nommé yo. Jodi a yo affiché Bible à roche là. Jodi a gen youn nan monsieur, m'a pas tirer attention. Tout le monde capte des matin débat là sur ça. Jodi a gen youn nan monsieur, ça nous est avec maillot bleu pia. Yo rele monsieur Kempes. Kempes sont évadés de prison qui sauvé dans prison civile quoi des bouquets ensemble à Canel. C'est Kempes ça nous est parler qui dit Simon Belle gen Bible lui même li gen zam nan. Yo évadé de prison, Kempes était dans prison pour kidnapping. Yo te bay pri, yo te bay Kempes prison à perpétuité parce qu'elle était kidnappé et un moun. La police gen ça. Jodi a la police a fait opération dans quartier de Genève. Mais à nos jours, beaucoup j'aime une opération la police qui fait dans Riel Maya. À nos jours, beaucoup une opération la police qui fait dans Ritimas. À nos jours, beaucoup une opération la police qui fait en Robelé. Au contraire, n'a tout profité micro maté débat pour nous dire que hier t'es une machine qui t'es commissaire là là-dedans qui t'es monté. C'est machine ça qui t'a baisé ça. C'est machine ça qui t'es monté vient rassurer monsieur et que commissaire là qui fait partie de CNDDR là. Commissaire là l'année sous belle hier parce qu'elle a eu un policier et que qui érige tête de chef de gang parce que nous t'entendons Esaïe César qui sont amis tout mais dommage m'pas qu'on ait émotion fait une série de bagages que m'pas qu'on pour qui ça et nous dit nous mettez qui qu'on en défi depuis yo ka prouvé de façon scientifique et que policier qui disparaît là littéralement base crash édifice c'est base crash édifice qui kidnappe qui tue elle m'a quitté Genève m'pas jamais parler dans nos Genève et m'a prendre tête moi bailler la police m'd'a même tout de façon scientifique pour mon venir avec preuve que monsieur c'est dans base crash édifice. Je dis à nous qu'on est que Léon Charles gagne gros cob blanc même et que classe 5% mon n'a dit qui gagne 85% richesse là le fait que nèg ont gagne mission pour assassiner yo gagne assassiner président Jovenel Moïse le fait que son monde cap mandé justice pour président Jovenel Moïse nèg doit monter des opérations sous prétexte que a décidé tirer gang nous même nous dis âme qui n'en met nous et que nous sommes policiers m'a touché $230 américains qui équivaut journée jodi à là à 4230 combien dollars haïtiens.
Si je ne veux pas posséder pile zam long, qui pipiti avant $3,000 américains. Si nous décidons de tirer gang qui gagne zam long, il faut décider de tirer gang qui vend zam et qui met balle dans main. Ça fait un. Deuxièmement encore, nous dit la police consacrée. Je ne veux pas nous pas souhaiter entrer dans un affrontement avec la police. Raison pure et simple. Nous-mêmes, en tant que leaders responsables, nous avons toujours fait tout ça nous connaît pour nous éviter un B200 dans le pays. Parce que dans le pays après, si la police pense que c'est avec Chablende, et puis le gros tracteur Caterpillar qui a mis à blindé, parce que la police n'a pas un gros tracteur Caterpillar, et que Dominique a blindé, tracteur ça a l'air. Ok, et nous, comment fini? Et que tracteur ça, c'est tracteur qui a envie d'opération pour marcher crasse Kaimoun. D'ailleurs, mais qu'on est journée aujourd'hui, est-ce que la police érigée tête limba qu'on a qui ça, libina des tracteurs pour marcher crasse Kaï, malheureusement, dans le ghetto. C'est bien côté mal calculé, n'a pas goumé. Et que, moi, une femme qui t'a posé question, ou dit faut que je finis, et je pense que je suis en pile pour me dire, même penser que je dis l'essentiel, et que si j'ai deux ou trois questions, on apprend. La force révolutionnaire, je n'ai pas famille à aller. Je suis en tout, policier qui est en charge, même grand monde sur nous. Mais grand monde sur nous parce que c'est dommage de parler au Charles qui est en charge. C'est celle ça qui fait mal parce que je connais qui misère dans le passé. En pile nous comme policiers, nous ne pouvons pas payer les cailles nous. En pile nous comme policiers, nous ne pouvons pas avoir les petites nous l'école. En pile nous comme policiers, même cette pipiti a, parce que moi-même, après 14 ans, nous avons vu qui misère nous-mêmes dans la police nous avons passé. Je dis à Léon Charles Prekob, l'homme bourgeois, et que pour le sous prétexte de la décision de la gang, mais il mettait nous dans le char, nous venons. Pour nous commencer à réfléchir pendant un an char. Parce que force révolutionnaire, j'ai des familles alliées, moi et tout, nous avons une réponse pour ça. Pas crier. Nous souhaitons, madame, nous ne pouvons pas crier dans la radio. Parce que nous prenons l'argent, non mais on est qui pas ici loin. Dans mon policier, c'est 1, 2, 3, 4. Qui ça Léon Charles fait pour nous? Je dis à c'est Léon Charles qui a voué nous dans la ville, vient décider, vient décider bandit, vient décider gang. Nous juste pour nous Léon Charles et puis parler pour nous attendre nous. Encore une fois, je salue tout policier qui choisit déserter pour qu'il rejoigne Goumé ça. Est-ce qu'on va recommander pour nous envahir pays? Oui, est-ce qu'on va vous tuer tout bourgeois senti? Oui, est-ce qu'on parle pour nous envahir pays? Oui, chef! Est-ce qu'on parle pour nous attaquer Léon Charles? Oui, chef! Révolution! 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 Oui, chef! Léon Charles, il y a un petit monde dans le gendarme, vous connaissez ça déjà. Bonjour à tout le monde. Jeudi, nous sommes gagnés au Conseil des ministres. Et il y a un point dans le Conseil des ministres, c'est concernant Petit Noyo. Pour nous, dans le gouvernement, il est important que les gens aillent à l'école. Et la période de rentrée scolaire, rentrée des classes, sont une période qui est toujours très difficile dans le pays. Elle est difficile parce que nous vivons dans un environnement sociopolitique et économique difficile. Le gouvernement prend décision, fait une rentrée des classes en deux temps. Un temps qui concerne les gens qui dans zone qui pas affectée par tremblement de terre ou qui peut affecter par tremblement de terre. C'est-à-dire que tout reste payant en dehors de la presqu'île du sud. Timoun Sayo nous décidé n'a reporter rentrée scolaire là qui était de fait le 6, nous reporter pour le 21. En fait, nous t'ai reporté pour le 20, mais 20 son jour férié lié. 20, c'est la fête de l'anniversaire de l'empereur Dessalines, du fondateur de la République. Et le gouvernement précédent a décidé que 20 son jour férié, donc l'école approuvait le 21. En ce qui concerne zone qui presqu'île du sud, là, trois départements affectés par tremblement de terre, l'école approuvait le 4 octobre. Et l'école, elle nous dit, toute l'école dans notre presqu'île du sud, là. Pour nous arriver au Veli, il faut nous faire un pile travail. Il faut nous retirer des blés. C'est-à-dire qu'à écraser, il faut nous retirer. Il faut nous mettre structure pour que les gens soient capables d'aller à l'école. Et mon timoun ça, c'est quel que soit timoun qui est dans l'école d'État, dans l'école religieuse ou dans l'école privée. Il faut tout timoun dans presque du sud là aller à l'école. Après, le fond, il faut. Pour nous faire ça, nous faisons un conseil interministériel composé de plusieurs ministres pour que nous soyons capables de mettre toute force nous pour que Timounio rejoigne l'école là à temps. Nous voulons aussi que prendre des dispositions pour nous gagner des allocations pour parents, pour élèves,
pour l'école, yo, pour professeur l'école. Yo. Donc, tout ça, après un petit temps, c'est peut-être ça nous repousser l'école dans Presqu'île du Sud-là et nous retarder l'école dans le reste pays. Moi, merci nous pour présence nous et nous souhaiter tout le monde bon succès. Dans petit nous, yo. Pour nous, dans le gouvernement, il est important que tout le monde soit à l'école. Et la période de rentrée scolaire, rentrée des classes, sont périodes qui sont toujours très difficiles dans le pays. Il est difficile parce que nous vivons dans un environnement sociopolitique et économique difficile. Le gouvernement prend décision, fait une rentrée des classes en deux temps. Il y a un temps qui concerne tout le monde qui dans zone qui pas affectée par tremblement de terre ou qui peut affectée par tremblement de terre. C'est-à-dire que tout reste payant en dehors de la presqu'île du Sud. Timoun Sayo nous décidé n'a reporter rentrée scolaire là qui était doit faite le 6, nous reporter le pour le 21. En fait, nous t'ai reporté pour le 20, mais 20 son jour férié lié. 20, c'est la fête de l'anniversaire de l'empereur Dessalines, du fondateur de la République. Et le gouvernement précédent a décidé que 20 sont jours fériés, donc l'école a ouvert le 21. En ce qui concerne zone qui presqu'île du Sud, là, trois départements affectés par tremblement de terre, l'école a ouvert le 4 octobre. Et l'école, elle nous dit, toute l'école dans la presqu'île du Sud, là. Pour nous arriver à ouvrir, il faut nous faire un pile travail. Il faut nous retirer des blés. C'est-à-dire qu'il écraser, il faut nous retirer. Il faut nous mettre des structures pour que les gens soient capables d'aller à l'école. Et mon timoun ça, c'est quel que soit timoun qui est dans l'école d'État, dans l'école religieuse ou dans l'école privée. Il faut tout timoun dans presqu'île du Sud là, aller à l'école. Après, le fond, il faut. Pour nous faire effort ça, nous faisons un conseil interministériel composé de plusieurs ministres pour que nous capables de mettre toute force nous pour que Timounio ka joigne l'école là à temps. Nous voulons aussi que prendre des dispositions pour nous gagner des allocations pour parents, pour élèves, pour l'école, pour vous l'école. Yo. Donc, tout ça, après un petit temps, c'est peut-être ça nous repousser l'école dans presqu'île du Sud là. Et nous retarder l'école dans le reste pays. Moi, merci nous pour présence nous et nous souhaiter tout le monde bon succès. Merci, merci Premier ministre. Je remercie Premier ministre, Dr Ariel Henry, secrétaire général Palais National, agronome Lionel Valbrun, de Mounsa Yokoué dans la continuité de l'État. Et le fait que vous avez accepté de prolonger le mandat, nous, qu'on a continué la collaboration avec nous, ça a montré que ça, c'est votre porteur dossier. Vous connaissez comment c'est important pour nous finaliser. Nous remercions tous les ministres qui font des déplacements, qui viennent là journée aujourd'hui, le secrétaire général, primature, tout le monde qui a collaboré avec nous, tout le monde qui était dans l'ancien gouvernement, que le TPM joute, que le l'autre monde qui était là dans la situation, qui était accepté que 5 personnes portent au dossier ça. Donc, communauté internationale, la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, nous aidez-nous en pile. Nous toujours là pour nous. Nous disons un gros merci. Merci en pile parce que nous avons cru dans le document ça, dans le projet ça. M'a dit comme ça que m'a présenté nous constitution hein projet mené li fait dans deux langues français créole parce que langue qui lie tout haïtien c'est langue créole là ça veut dire que yon moun qui pa vle li français l'a appelé créole là et nous fait nous yon devoir pour nous capable associer tout moun qui gen expertise dans question créole pour ba nou yon document qui répondent à desiderata population. Y a un document que moun ki nan bien loin nan pays a ap konnen ki sak la donne parce que nous faisons dans langue créole là et dans langue française. M'a dit nous avant de présenter document m'a rappelé nous que nous gagnons mandat. Comme moun ki habitué avec moi toujours fait parce que nous même avocat nous toujours remet gen pièce à conviction.
Pièce à conviction, nous, c'est deux bagailles. Le mandat qui nous a été donné par l'ancien président de la République, qui dit, mais qui ça pour nous faire? Et puis, nous gagnons ça que tu as fait déjà, qui aboutit à ça. Nous devons nous tous comprendre. Nous avons un seul pays qui est Haïti. Et me dit président Boniface, merci parce que t'a quitté moi-même comme seule femme parler aujourd'hui hein. M'a parlé pour me dire ça que dans comme ça nous souffrir dans ça et m'a tout ban nous un message. C'est pas un discours m'a fait. Nous t'ai gagné dans mandat ça que président de la République là t'ai ban nous. Pas gagné rien qui dit pour nous écrire un projet. Il dit que pour nous préserver les acquis démocratiques. Ça veut dire acquis ont là déjà. N'a pas renforcé, n'a pas innové, mais nous pas retirer sa peuple là, t'es gagné déjà que t'es goumé pour lui. Nous gagnons pour te garantir solennellement droits fondamentaux de la personne. C'est une raison qui fait que malgré effritement valeur nous en dans société, malgré problème qui gagne, en bien peine de mort là, les retourner la peine de mort qui a aboli, li kembe jan liye en dans constitution 87 là. La peine de mort est abolie en tout temps, en toutes circonstances. Parce que ça son acquis démocratique lié, nous pas tourner sur lui. Renforcer les mécanismes de l'état de droit. Si vous pas gagner une séparation effective des trois pouvoirs, ou pas qu'à parler de l'état de droit. Dans le contrat social Jean-Jacques Rousseau, il dit il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Le gain abus de pouvoir, le gain exaction, eh bien faut que la justice capable dit le mot qu'il faut. Eh bien nous renforcer système judiciaire là avec l'indépendance du pouvoir judiciaire, avec la nomination des juges qui tournait un chantage à chaque fois mandat un juge fini, faut le chercher un député, un sénateur pour demander s'il vous plaît qu'au cas un ministre là pour moi, pour madame n'a renouveler. Nous avons jugé nécessaire de donner cette possibilité au CSPJ pour que mandat juge commencer, yo renouveler jusqu'à ce que yo gagne retraite yo. Néanmoins, s'il y a des exactions, des comportements qui laissent à désirer, CSPJ, à travers l'inspectorat judiciaire, apprend les mesures qu'il faut. Parce que leur pas indépendant judiciaire, même les gens qui parlent de l'Église, connaît la justice élève une nation. C'est justice qui peut permettre que les gens sentent vivre dans un environnement adéquat. Nous avons souffert pour moi, parce que faut que je dise tout ça pour me dire. Nous rationaliser et préciser la nature du régime politique. Il y a ce qu'on appelle l'univers collectif haïtien. Moi-même, comme mon travail social, je connais ça bien. Ou pas capable pour une loi, pour poter, pour venir mettre le nom pays, son bagage culture pays. Nous tous qui là, il y a un pile monde qui contente. On nous fait un mauvais rêve, les président. Ou bien délégué, ou bien député, ou bien sénateur, président. Donc, dans l'univers collectif haïtien, le régime présidentiel est ancré. Il est là. Nous, tout simplement, là, nous changer le régime, non, nous mettons des balises pour permettre que un président pas venir qui pas responsable Zakli, parce que yon ballon mandat, c'est souveraineté pays, hein? C'est co-dépositaire de la souveraineté, les trois pouvoirs. Donc, faut qu'il soit capable de répondre de ça au bal pour le faire, comme garant de stabilité et de bon fonctionnement institution. Yon. Nous t'ai fait ça. Clarifier et rééquilibrer les pouvoirs de l'État dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Ce n'est pas normal pour yon moun a payer taxes parce que justement, li pa rete dans la République de Port-au-Prince et que le pa ka jwenn service. Donc, il faut que la collectivité territoriale jwenn dans le budget république. Lan. Et nous faisons ça en dans projet constitutionnel. Il faut que l'administration publique lan, li composé du bureau central et des collectivités territoriales. On a fait ça parce qu'il fallait que nous pour nous rééquilibrer pouvoir. Nous gagnons pour nous réaffirmer et consolider le caractère démocratique de la République d'Haïti. C'est ça qui fait démocratie. N'a pas songé démocratie, m'a prêté un mot pour me dire c'est tant qu'on réchauffe du feu qui gagne trois pieds. Youn la donne ses dignité et nous-mêmes en dans comité a nous t'es victime en pile de façon que on t'es traité nous dignité au monde son bagage quel que soit son gain au monde faut qu'il traité c'est inhérent à la personne la dignité. Deuxième bagage c'est la liberté. On a le droit de choisir et il faut respecter le choix de la personne. Donc c'est la dignité, la liberté et l'égalité.
L'égalité, c'est égalité pour moun, ni femme ni garçon participer dans tout ça qu'a fait dans pays, ni moun la ville ni moun en province. Donc ou pas ka konsyon état démocratique sou pa kwen nan sa yo. Les corollaires c'est la non discrimination et la tolérance, tout ça découlé de trois principes fondamentaux sa yo. Donc nous même nous te veye à ça. Et youn nan bagay nous fait en dedans constitution an, en dedans projet a, c'est que nous vini avec madame, messieurs les membres du comité, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, mesdames, messieurs. À l'occasion de la remise du projet de la nouvelle constitution par le comité consultatif indépendant, je m'adresse à vous avec un sentiment patriotique et républicain. C'est avec émotion matin, hein, m'apprend la parole. Parce que nos cérémonies que président Jovenel Lafemme ont été planifiées il y a de cela plus de 2 mois. Doter le pays d'une nouvelle charte fondamentale, facile d'application, inclusive, claire, respectueuse des droits de l'homme, de la personne, pardon, et garant de l'équilibre des trois pouvoirs de l'État, incluant la diaspora, a été l'un des chantiers prioritaires du feu président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, assassiné lâchement au 7 juillet 2021. Je veux saisir l'opportunité de cette cérémonie pour dire haut et fort à toute la nation en général et à la famille et aux proches du président qu'en dépit des petites manœuvres et des attaques ciblées de certains, la vérité finira par jaillir et justice sera faite. Rien, absolument rien, aucune distraction ne pourra me déterminer de ma volonté inébranlable de voir les vrais responsables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de ce crime odieux traduit en justice et puni pour leur forfait. À bon entendeur, salut. Mesdames, messieurs, avant sa mort, le président m'avait clairement dit à maintes reprises que dès que vous lui soumettriez votre rapport avec le projet de constitution, il me le remettra pour que je fasse tout ce qui est possible pour que le peuple haïtien s'en approprie. Il m'a demandé de m'assurer par une démarche inclusive et participative que tous les secteurs de la vie nationale s'engage en faveur de l'adoption du texte. Et je peux vous dire que c'est que ce que j'ai l'intention de faire. L'adoption de la Constitution de 1987 est un symbole de notre adhésion aux valeurs démocratiques modernes, dont l'état de droit, l'équilibre et la séparation des pouvoirs de l'État. À l'époque, le peuple s'était mobilisé massivement pour le voter et signifiait ainsi sa volonté de vivre ensemble harmonieux. Après près de 35 ans de tentative de construction d'une démocratie fonctionnelle, il est de l'avis général qu'il faut renforcer notre démocratie par l'adoption de nouveaux cadres normatifs fondamentaux. Les crises politiques multiples que nous avons connues au cours de ces dernières décennies, le handicap que cela constitue pour la bonne marche des institutions publiques sont des arguments sérieux en faveur d'une nouvelle constitution. Mesdames, messieurs, notre pays ne saurait concrétiser ses objectifs de développement sans se disposer d'institutions fortes et stables. L'analyse des crises multiformes de nos institutions montre l'impérieuse nécessité
de doter le pays de nouvelles règles fondamentales et de renforcer les mécanismes de l'état de droit. Sinon, le pays risque de sombrer dans l'instabilité politique chronique et les conflits entre les pouvoirs de l'État. Pour éviter un tel scénario, il est impératif d'œuvrer dans une logique participative et inclusive, à clarifier les compétences des pouvoirs de l'État, le rééquilibre des pouvoirs, la responsabilité des élus, le renforcement des institutions de contrôle et l'indépendance de la justice. Les crises d'origine constitutionnelle ont fortement ponctué les conditions de vie de la population ces derniers temps. Nous sommes tous témoins des prises de position et des revendications des secteurs de la vie nationale sur la nécessité d'adopter une nouvelle constitution. L'adoption d'une telle charte est essentielle pour créer les conditions d'une société plus équitable, pour protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, encourager la participation de tous les fils et les filles de la patrie aux grandes décisions du pays, notamment les femmes et la diaspora, et établir les bases d'un gouvernement, d'un gouvernement démocratique. Madame, messieurs, les membres du comité consultatif, cette cérémonie est l'aboutissement du travail que vous avez entrepris depuis la date de votre investiture. Au nom du gouvernement et de la nation, je vous remercie pour votre contribution et pour votre détermination dans la conduite de vos travaux. Et ce, en dépit des tensions politiques, des menaces, des insultes et autres agressions verbales. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.